Je ne crois vraiment pas qu'on écrit pour le succès. Je crois qu'on écrit pour les rapports qu'on a avec ceux qui vous lisent et pour qui on crée. Ils sont célibataires, mais c'est aussi deux êtres à la dérive, en fait. Ouais. Aragon a tenté de se suicider, en fait, quelques mois avant à Venise. Il sort d'une rupture un peu difficile avec Nancy Cunard. Il prend une dose mortelle de somnifère et on le sauvera de justesse. Mmh. Elsa, quant à elle, écrit dans son journal intime qu'elle hésite à prendre du Véronal. Elle en a marre de la vie. Le Véronal, c'est le truc. Un, ouais, c'est poison. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le 5 novembre, donc la veille de leur rencontre au bar de la Coupole. Depuis 30 ans, nous travaillons ensemble toujours. Quand il arrive qu'Elsa écrit un roman, je suis pris de certains sentiments. Ce sont les sentiments de très profonde jalousie devant les personnages qui naissent et que je ne me serais pas cru capable d'animer et qui naissent en dehors de moi. Un jour, Elsa, mes vers monteront à des lèvres qui n'auront plus le mal étrange de ce temps. Ils iront éveiller des enfants palpitants d'apprendre que l'amour n'était pas qu'une fièvre, qu'il n'est pas vrai que l'âge assurément le vint, que jusqu'au bout la vie et l'amour c'est pareil, qu'il y a des amours noués comme une treille, tant que la veine est bleue, il y coule du vin. Enfin, moi, d'habitude, je fais celles que ça ne concerne pas, parce qu'autrement, c'est beaucoup trop gênant. Mais enfin, quand on est jeune, c'est une chose tellement normale qu'on vous dédie des vers. Mais tout mon orgueil, tout mon bonheur, c'est justement que je ne suis plus jeune, que j'ai les cheveux blancs. Et je me suis dit que peut-être on ne m'en voudra pas de ne plus avoir 20 ans. Et que ça sera même une consolation pour bien des femmes de voir qu'on peut être pas jeune du tout et avoir vécu avec un homme depuis 30 ans et quand même avoir un poème qui porte mon nom. Thank you.
Il me manque des mots. J'ai l'impression qu'en général, le langage humain est une chose très pauvre. Et je pense que la peinture, comme la musique aussi parfois, peuvent élargir ce qui manque au langage.